dans une note. J'espère que vous allez bien. Après tout ce temps sans s'être vu, la grippe est passée, nous voilà revenus. Enfin, donc ça a commencé avec des petits shorts et maintenant, bon, encore un petit peu chaud, encore un petit peu froid, mais ça devient bon. Déjà, on a retrouvé la voie. Voilà. Par contre, là, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est des pépites pour moi que j'ai pu trouver à Action. Et après, j'ai une chose à Noz et une chose à Aldi. Voilà, donc ça, c'est un spécial Noël entre toi et moi aujourd'hui. Voilà, ma saison préférée, enfin, ce que j'aime le plus, voilà. Donc, on va se faire ça tranquillou, baby. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, alors j'ai mis les prix là, ça devrait aller. Premièrement, je me suis dit, bon, je vais mettre que des guirlandes lumineuses dans le sapin. Je vais pas mettre les autres guirlandes parce qu'en fin de compte, ça suivra pas parce que le thème, j'ai mis un thème cette année. Oh, enfin, ça sera pas un tout mélangé et ça sera rouge, doré. Il y aura du rouge, du doré, du blanc, du vert et du noir pailleté un petit peu. Donc vraiment les couleurs de Noël de base. Voilà. Et je me suis dit, non, j'ai pas de guirlandes qui vont avec. C'est soit de l'argenté et tout. Non, ça ne va pas. Donc je mettrai pas. Et je suis allée à Action et j'ai trouvé donc deux guirlandes. Donc mon sapin, ça sera toujours le sapin blanc de l'année passée. Le sapin tout blanc. Et voilà, j'ai trouvé donc des guirlandes rouges comme ça. Elles sont toutes mimi. Alors, 270 cm sur un diamètre de 75, 7,5 cm. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Et donc, ça sera nickel. Sur du blanc, je pense que c'est bien. Et bah doré, il y en avait, mais je trouvais que c'était pas assez choc, quoi. J'ai préféré prendre les blancs. Donc voilà pour les guirlandes. Ensuite, amour du gnome, nous voilà. J'en ai retrouvé un nouveau. Donc l'année dernière, il y en avait un grand pour l'automne. Vous avez vu mon gnome avec le chapeau orange, que d'ailleurs je vais garder quand même celui-là pour l'hiver. Et on peut aussi redresser donc sur ce nouveau gnome le chapeau, soit tout droit, soit lui faire redescendre. Et regardez, c'est une fille. Elle a un joli petit habillé en jute et de jolies petites tresses. Donc voilà. Et puis elle est lestée, donc avec, on dirait qu'il y a du riz à l'intérieur ou un truc dans le genre. Donc elle fait 40 cm. C'est une femme marron, c'est marqué sable industriel. Donc voilà, c'est du sable industriel à l'intérieur. Donc ce gnome-là, il m'a coûté 4,99 euros. Voilà. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Donc il y a de la jute, il y a de la laine. Franchement, il y a de la peluche. C'est franchement, il est bien diversifié pour le gnome que c'est. Voilà. Ensuite, regardez, j'ai enfin trouvé la maison. Oups, attendez. Hop, parce que vous allez faire une petite chute. Donc, j'ai quand même trouvé la maison en pain d'épices à faire soi-même. Donc, elle est déjà faite. Vous allez voir, il y a tous les ustensiles dedans. Donc voilà, gingerbread house. Voilà, ça c'est la décoration qu'ils ont fait. Donc en fin de compte, là vous avez à l'intérieur aussi les deux tubes pour décorer. Après, ben, si je veux faire d'autres couleurs, je le ferai d'autres couleurs. Là, ils nous expliquent comment découper les morceaux de maison. Voilà. Et ici, il nous explique comment préparer bah, en gros la colle alimentaire. Donc, de ce côté-ci. Et puis, il montre que vous avez aussi pour décorer les couleurs. Donc, ça avec la poche à douille pour mettre bien
à droite, à gauche, où on va s'éclater avec les enfants. Donc, elle m'est revenue à 6,99 €. Voilà. Et donc, elle est bonne jusqu'au 10 août 2024. Donc, ça va. Ça m'évitera de la faire moi-même cette année, enfin, de faire le biscuit. On verra ce que ça donne par rapport aux biscuits maison et biscuits action. Voilà. Parce que cette année aussi, je vais faire les bûches, des bûches maison roulées, cette fois. Ensuite, mon petit beau, le roi du chocolat chaud, a trouvé des mini chamallows Haribo à mettre dans son chocolat chaud. Donc, bah, il est content, hein, voilà. Donc, j'en ai eu pour 1,39 €. Et bah, je vais mettre ça dans un beau bocal. Et puis, quand on fait un chocolat chaud pour Noël, enfin, la période de Noël, elle commence déjà chez nous, hein, bien sûr. Mais on pourra mettre deux, trois petits chamallows dedans l'après-midi, comme il prend pas de goûter. Ben, bon, c'est pas deux, trois chamallows qui feront trop de drame. Voilà. Attendez, je remonte. J'enlève ce que je vous ai déjà dit, parce qu'après je vais me perdre. Et là, j'ai également toujours la folle des mugs, c'est moi. Et j'ai trouvé ces jolis mugs de Noël. Donc j'en ai pris deux comme ceci, avec petit biscuit qui porte son sapin, avec une branche de houx ici, voilà. Et puis, bah, il neige, hein, voilà. L'intérieur. Il est tout blanc. Donc deux comme ça et deux comme ça parce que ben on est six, mais sur six on est quatre à vraiment boire en tasse. Donc là il y a petit biscuit avec le chapeau de Papa Noël avec la petite le petit sucre d'orge et là c'est bah encore du houx, mais on le voit moins bien. Regardez parce que ben le verre dans verre on voyait même pas, on voyait que les trois petites boules. Et voilà, l'intérieur blanc et puis tout enneigé. Donc deux de chaque, parce qu'en fin de compte, oui voilà, donc David, lui, ça c'est toujours le même verre qu'il va prendre verre pour son café. C'est un verre Mickey comme ça, et ça reste tout le temps. Ça fait des années. Et puis Corentin ne boit pas de boisson chaude. Donc. Ben, j'ai pris un pour mémé, un pour Thibaut, un pour Ninon et un pour moi. Voilà. Donc, ça nous fait 4 tasses. La tasse est à 2,99 €. Ensuite, j'ai trouvé, parce que j'ai un morceau de mur dans ma cuisine, sinon, où la porte s'ouvre. Voilà, je ne peux pas mettre quoi que ce soit derrière. Mais pour que ça soit quand même décoré par derrière, vu que la porte est tout en carreaux, j'ai trouvé ces petits arbres là qui on peut faire décorer aux petits enfants avec de la feutrine et puis je pense que c'est des scratchs. Donc, vous voyez, le sapin mesure 80 cm. On peut le mettre sur le mur et de large 60 cm. Donc, je donnerai à Thibaut ça. Je lui donnerai les petites décorations. Il y a des bonbons, des flocons, cadeaux, neuneux, bonnet, cloche, sucre d'orge, je ne sais pas, bonbons, reine, chaussettes. C'est quoi le je ne sais pas? Ben, j'en sais rien, je vous le dirai quand on l'aura ouvert, figurez-vous. On dirait un nez de renne, enfin bref. Et ben non, en fait, c'est une boule. Je cherche midi à 14 h, c'est Noël, c'est une boule. Donc voilà. Et ben, il me décorera ça. Et puis on verra quand même à travers la porte, comme il y a les vitres, ça fera une décoration supplémentaire dans la cuisine. Donc pour cet arbre-là, j'en ai eu pour 3,79 €. Ensuite, j'ai pris de la neige artificielle directement en grains, comme ceci. Donc celle-ci, c'est pour mettre au niveau de ma crèche. Donc là, je vais certainement la poser, essayer de la garder, donc bien la mettre avec comment on appelle, de la colle vernicole.
disposées comme des paillettes, et donc la crèche sera enneigée. Donc j'ai pris ce petit paquet, donc qui fait 1 litre apparemment, il me marque plus ou moins 1 litre, ouais voilà. Et il était à 79 centimes en semaine action. Donc là, faites attention, il peut avoir augmenté un petit peu, 89, 90 centimes, voilà. Et j'ai pris pour tout ce qui était village de Noël ou le bas de mon sapin, ça je ne sais pas encore. Et s'il m'en faut, bah, j'irai rechercher, faut que je vois ce que ça donne. Ça c'est en tapis directement. Donc normalement, vous pouvez mettre en bas du sapin. C'est vraiment comme si c'était enneigé, regardez. Voilà. Et il fait 1 mètre de diamètre. Donc celui-là, en semaine action, il était à 1,69 €. Donc là, bon, un peu moins de 2 € je pense, si on n'est plus en semaine action. Voilà. Donc voilà ça. Je commence à être surchargée. Et là, je vais vous montrer les deux choses. Pour finir action, les deux choses qui me tenaient vraiment à cœur depuis des années de trouver, et je voulais pas mettre trop non plus dans la déco, on voulait faire des décorations maison au maximum, et là on a trouvé nos casse-noisettes. Ça veut dire qu'on n'avait pas de casse-noisettes du tout, du tout, du tout, et on a enfin trouvé. Donc celui-ci, regardez. Il est en bois. Voilà. Derrière, vous pouvez faire qu'il ouvre la bouche carrément. Donc comme les vrais casse-noisettes. Bon, par contre, je vais pas prendre le risque de le casser non plus. Voilà. Donc celui-là, il fait 50 cm. Donc vous voyez, c'est ça. Quand vous l'ouvrez, ça ouvre la bouche. Hop. Donc voilà. J'essaie de vous mettre plus. Comme ça, vous le verrez, hop, il fait tout l'écran là de suite. Et il était à 7,95 €. Donc celui-ci en bois vraiment traditionnel. Et là j'ai le casse-noisette, mais là c'est pas en bois, c'est en statue, en cassant, donc là, faire attention. Donc j'ai pris le doré blanc qui suit avec nos décorations, où il a une jolie couronne avec des strass autour. Voilà. Regardez, il y a des strass aussi au niveau de son gilet. Il a des jolis gants. Voilà, de jolies bottes. Donc celui-ci, il est très lourd par contre. Et celui-ci, il fait 37 cm et je l'ai payé le même prix que celui de 50 cm. Mais bon, c'est pas la même qualité non plus. Donc 7,95 € également. Voilà. Donc pour tout ce qui est action, c'est terminé. Et là, il me reste deux choses à vous montrer vite fait. Donc j'ai fait un passage éclair chez Noz parce que David voulait faire quelques DP. Il avait vu un DP gnome sur TikTok. Une dame qui faisait ça et elle l'avait eu chez Noz. Et en fin de compte, ils ont été dévalisés. Donc bref, j'ai trouvé ça parce que Thibaut, il m'a dit, maman, s'il est trop beau. Il est trop beau le renne. Donc on a pris le renne là. Pour ajouter en déco sur la box télé, toujours dans les mêmes tons pour notre déco, et je l'ai eu à 1 €, donc eh ben ça fait plaisir à Thibaut et ça va encore faire plus beau au niveau de la déco. Voilà. Et dernière chose, quand j'ai fait mes courses, j'ai été à Aldi, j'ai trouvé des cannes à sucre vertes, rouges et noires avec du blanc. Donc comme ça on reste bien dans le thème, on a vraiment nos couleurs. Ils pourront aller sur le sapin aussi, être accrochés. Et ceux-là, je les ai payés 1,19 €. Voilà. Donc, eh ben, ils pourront après manger petit à petit leur petite canne à sucre quand Noël sera arrivé. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère que la santé va rester stable et puis qu'on pourra rester beaucoup ensemble parce que ça me fait du bien aussi et j'espère à vous aussi.
Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne soirée, journée, ben comme vous voulez, hein, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et puis ben je vous dis à très vite, on refera des lives, vous inquiétez pas, j'ai encore d'autres vidéos à vous montrer, à faire et vous allez voir, on n'a pas fini et quand ça touche Noël, il y a de quoi faire. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!